ils arrivent chaque matin à 7h pour trier le courrier, trier leur tournée. Ils enfourchent leur vélo ou passent la seconde aux alentours de 9h40 pour 3 à 4 heures de distribution. Parlons aujourd'hui des facteurs avec une porte ouverte organisée par la Poste de Châteaubriant. Elle traite chaque jour 40 000 plis à l'arrivée, courrier et colis distribués par plus de 70 facteurs. En fait, l'initiative, elle est venue d'un contact par donc l'Office du Tourisme Castelbriantais, qui m'a envoyé un jour un petit mail, et donc j'ai regardé un petit peu la nature de leur demande, et je me suis un petit peu renseigné aussi, comme je suis nouvellement nommé, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé ici au 1er février, donc j'ai parlé un petit peu avec mon équipe, et mon prédécesseur avait déjà amorcé ce type de visite, et j'ai trouvé que l'idée était très bonne, et donc j'ai accepté de poursuivre cette année. Ça me permet de faire connaître tout simplement mon entreprise. Et c'est vrai que beaucoup de gens, dans leur colère, ils disent « De toute façon, vous n'êtes que des fonctionnaires, et c'est moi qui vous paye. » Donc oui, effectivement, ils nous payent, mais par leurs prestations. Voilà. C'est un peu l'image, effectivement. Ils ont une tendance à croire que c'est les impôts qui payent les facteurs, mais c'est absolument faux. C'est le travail des facteurs, c'est toutes les prestations qu'ils font. J'insiste là-dessus, c'est très important. Les gens sont plutôt satisfaits, ça leur permet de connaître effectivement leur métier, leurs facteurs, les facteurs, hein, tout simplement. Hein, et non, c'est plutôt positif. Ouais. Le facteur, il part en tournée, et à un certain niveau, il va se recharger. Il va recharger le... Mais c'est lui qui l'emmène Non, alors c'est pas lui qui l'emmène. Je suis déjà venu il y a deux ans, je pense, avec l'autre garçon, donc voilà. Ouais. On aime bien intéresser nos enfants à ce qui se passe autour d'eux, et quand il y a des visites comme ça organisées, il faut en profiter, quoi. On va vélo électrique. Voilà un vélo électrique. C'est l'ancien modèle celui-là. Ouais, voilà. Donc vous voyez, avec une batterie ici. Qu'on recharge, voilà. Je le souhaite très faire, c'est l'année prochaine effectivement, jumeler cette visite avec la visite du centre de tri, ou plutôt ce qu'on avait appelé maintenant la plateforme industrielle courrier. Voir si on ne peut pas organiser un jumelé. Ils ont vu, on va dire, l'arrivée du courrier le matin. Hein, comment a été traité le courrier, comment a été mis le courrier dans leur boîte aux lettres. Et j'aimerais leur montrer comment leur courrier qu'ils ont mis dans leur boîte aux lettres jaune, qu'on prépare ici, est traité au niveau industriel, au niveau des machines, parce que ça aussi c'est très 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 impressionnant et c'est hyper intéressant. Il y a encore plein de choses à découvrir. Plein de choses à découvrir au niveau de la Poste. La Poste est bouge. Ce n'est pas qu'un slogan. Ils bougent énormément les facteurs. Les 100 000 facteurs français parcourent chaque jour 76 millions de kilomètres, l'équivalent de 50 fois le tour de la Terre.